principales plateformes, plus de la moitié du financement mondial, parce que on a beaucoup d'expertise scientifique, des géologues, des avocats, une firme de génie qui opère soit à long terme, d'ailleurs, pour aider ses partenaires à l'étranger à développer leurs ressources. Sur la scène domestique, on met aussi beaucoup d'emphase sur le développement du Nord. On en parle au Québec, on en parle aussi ailleurs au pays, où maintenant que les infrastructures se développent. Ce que j'aimerais faire, c'est que j'aimerais plier ça, c'est juste une coupe de tonne pour un attendant. Actuellement, quand je parle de diamants, j'ai une attention particulière. Que le sous-ministre en question est sur un CA, l'association pétrolière, avec Suncor et compagnie. Ça, d'après moi, ça montre que le monde qui sont là sache comme ça va appliquer sur un job, puisque les scientifiques sont muselés aussi, etc. En particulier avec la CIA, mais aussi avec l'Europe. On a des contacts très fréquents, très réguliers avec notre partenaire là-bas. Qu'est-ce que vous voulez faire ici? C'est la conférence. Tant pour l'énergie fossile. Avant ma conférence, je demande une association de pétrolières. Vous êtes sur le point, en fait, de se faire embaucher par les pétrolières, finalement. C'est quand même intéressant de le dire. C'est un sous-ministre des partis conservateurs, puis on ne doit pas laisser faire s'il ça. S'il vous plaît, je vous en prie, vous êtes à la faculté de sciences politiques et de droit. On vient de parler de programmes pour les étudiants de la faculté. Oui, dans le but de recruter. Monsieur Franck Desrosiers est sous-ministre. On pourrait voter pour pas. Il vient parler, c'est un fonctionnaire. Il a le droit de parler, il présente un programme. Vous pouvez rentrer tout le monde, on est tous là, là. On va tous rentrer. On peut dire qu'on est pour partir. Question, monsieur le ministre, est-ce que c'est pour vous ici. L'association pétrolière avec Suncor et compagnie. On s'est demandé si vous y avez sur quoi CA et on s'est là. Vous au moins répondre à ce que. Je dois poser une question, là, monsieur, ici. Oui, la réponse est non. Je ne cherche aucun conseil d'administration d'aucune compagnie pétrolière. Jamais. La dernière info qu'on avait vue aussi, c'était à propos d'une conférence qu'il avait donnée avec Greentech, dont le thème, c'était comment est-ce que le secteur public peut mieux soutenir l'entrepreneuriat privé. Absolument. Les technologies, c'est... We convene this industry. We convene across 18 primary sectors. We convene across the globe. There are unique experiences in terms of being able to hear from the entrepreneurs and the leaders exactly what they're up to, how they did it, what their success is, and it really changes how we celebrate success. People are energized, there's buzz everywhere I look, people are swapping business cards, talking deals. On n'est pas venu pour ça, franchement. Donc, nous, j'ai quand même un souci de faire en sorte que ceux et celles qui se sont présentés pour avoir accès à la présentation y aient accès. Alors, ça va, je vais continuer, je vais chercher à. Ça va faire la vote, s'il vous plaît. Il y a des gens qui sont venus pour ça. Ils ne sont pas. Il voit mieux si la lumière est fermée, je ne sais pas pourquoi. C'est quoi ça? Ils sont de moi qui n'ont même pas élu, qui arrivent ici, qui veulent pas passer un immense conflit de notre terrain au Québec. Mais dans notre pays, vous n'avez pas d'accord à passer votre fucking conflit ici? Ouais! Lucas l'accueille, un tel truand, et nous le cache.